pas encore un rendez-vous pris, mais on est resté ouvert, comme on l'a dit. Mais je crois que c'est très tôt de dire qu'on ne va pas se voir ou on doit se voir. Je vous laisserai plutôt la largesse d'observer et de voir si on arrivera à nous mettre ensemble pour cette raison ou pas. On peut ne pas se mettre ensemble pour cette raison, mais pour le reste des choses, on est ensemble et on restera ensemble. Je suis très content que vous ayez évoqué l'article 17 de notre charte, la charte qui régit notre plateforme. Je suis très content. Mais il faut aussi dire que l'article dit, parle du mode de désignation ou encore la décision à prendre qui part du consensus pour échiter au vote. Mais ici, ce que je ne comprends pas, c'est que à chaque fois quand vous parlez, vous n'avez pas trouvé consensus. C'est-à-dire, ne parlez pas de cette façon-là. Dites, vous n'êtes pas arrivé à la désignation. Parce que désigner n'est pas forcément passer par le mode consensus, qui est la voie par laquelle il faudrait passer, mais il faudrait que cela puisse être complété par l'autre partie qui suit, de cet article, qui parle du vote. Donc, jusque-là, c'est comme ça que je dis, nous sommes ensemble, nous restons dans les règles de notre charte, que j'appelle, moi, la lettre de convention. Ce n'est pas l'article 17, c'est l'article 18. Il faudrait les lire parce que nous le maîtrisons très bien. Et je vous ai dit hier, et je reviens sur ça, et pour vous rappeler ici, il ne faut pas dire que nous n'avons pas trouvé la solution. Nous avons trouvé la solution. Nous avons travaillé. Et déjà, en ce qui nous concerne, nous avons vidé cette question. Ces questions que les autres se rejoignent à nous, on puisse travailler ensemble comme il a été question, parce que nous avons presque vidé la matière, les sujets à l'ordre du jour. Donc, c'est question de compléter les restes ensemble avec les autres. Et c'est ça. Donc, on ne recule pas. On a déjà terminé cette question, mais on est en train de regarder sur une direction qui nous permettra de nous mettre ensemble pour le reste du chemin à faire. En grosso modo, nous sommes ensemble, nous avons fini le travail, et il ne reste plus qu'à trouver des voies qui consolident l'unité dans notre plateforme, et on travaille dedans, et nous encourageons plutôt l'approche du président de l'Assemblée, et qui milite pour l'amour, l'unité. Ce sont des choses que nous prêchons, et je pense que ça ne nous échappe pas. C'est juste question de rappel. On est ensemble et on ne va pas reculer. On a échangé autour de l'unité que nous prônons dès le début, de par notre mode de fonctionnement. On a échangé autour de ça. Donc, vous savez, le président de l'Assemblée est un homme de paix. Donc, il nous a exhortés autour de la paix. Je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, mais comme vous l'avez entendu et vous le savez, c'est aujourd'hui la date limite pour les dépôts du dossier, et c'est aujourd'hui que le dossier est censé être déposé, et nous ne serons pas en retard. Il faut savoir que c'est très tôt de juger un quelconque chef religieux d'être tribaliste ou quoi que ce soit. On ne peut pas établir les choses sur cette ligne-là. Il faudrait l'admettre. Donc, je peux vous rassurer que l'Église ne marche pas sur les antivaleurs. Nous, on ne se base pas sur ce qui nous divise. Mais il faut admettre que c'est la règle de la démocratie. Ça, on ne peut pas s'en réfuser. Parce que, en réalité, nous ne sommes pas obligés de regarder à la même direction, pour l'admettre. C'est la règle de la démocratie. Donc, ça, c'est une valeur. Mais cela ne veut pas dire qu'on est divisé. Et je vous avais dit, on reste unis, on ne sera jamais divisé. Mais la divergence, il peut y en avoir, c'est la règle de la démocratie. Je vous demanderai de nous reposer la même question, peut-être demain matin ou à 23h45. Je vous rassure qu'aujourd'hui, c'est la date limite, on ne sera pas en retard. On est ensemble et jusque-là, je le dis, nous avons des divergences, mais on n'est pas divisés et non plus séparés. Donc, on est ensemble et nous donnons encore de la chance pour qu'on puisse regarder cette fois-ci à la même direction, comme on l'avait promis au départ. Donc, la journée n'a pas encore pris fin. On donne toutes les chances à l'unité et à l'unanimité.
Non, pas encore, il faudrait l'admettre. On n'a pas encore un rendez-vous pris, mais on est resté ouvert, comme on l'a dit. Mais je crois que c'est très tôt de dire que on ne va pas se voir ou on doit se voir. Je vous laisserai plutôt la largesse d'observer et de voir si on arrivera à nous mettre ensemble pour cette raison ou pas. On peut ne pas se mettre ensemble pour cette raison, mais pour le reste des choses, on est ensemble et on restera ensemble. Je suis très content que vous ayez évoqué l'article 17 de notre charte, la charte qui régit notre plateforme. Je suis très content. Mais il faut aussi dire que l'article dit, parle du mode de désignation ou encore la décision à prendre qui part du consensus pour réciter au vote. Mais ici, ce que je ne comprends pas, c'est que à chaque fois quand vous parlez, vous n'avez pas trouvé consensus. C'est-à-dire, ne parlez pas de cette façon-là. Dites, vous n'êtes pas arrivé à la désignation. Parce que désigner n'est pas forcément passer par le mode consensus, qui est la voie par laquelle il faudrait passer, mais il faudrait que cela puisse être complété par l'autre partie qui suit, de cet article, qui parle du vote. Donc, jusque-là, c'est comme ça que je dis, nous sommes ensemble, nous restons dans les règles de notre charte, que j'appelle, moi, la lettre de convention. Ce n'est pas l'article 17, c'est l'article 18. Il faudrait les lire parce que nous le maîtrisons très bien. Et je vous ai dit hier, et je reviens sur ça, et pour vous rappeler ici, il ne faut pas dire que nous n'avons pas trouvé la solution. Nous avons trouvé la solution. Nous avons travaillé. Et déjà, en ce qui nous concerne, nous avons vidé cette question, ces questions que les autres se rejoignent à nous, on puisse travailler ensemble comme... il a été question, parce que nous avons presque vidé la matière, les sujets à l'ordre du jour, donc c'est question de compléter les restes ensemble avec les autres, et c'est ça. Donc on ne recule pas, on a déjà terminé cette question, mais on est en train de regarder sur une direction qui nous permettra de nous mettre ensemble pour le reste du chemin à faire. En grosso modo, nous sommes ensemble, nous avons fini le travail, et il ne reste plus qu'à trouver des voies qui consolident l'unité dans notre plateforme et on travaille dedans et nous encourageons plutôt l'approche du président de l'Assemblée et qui milite pour l'amour, l'unité. Ce sont des choses que nous prêchons et je pense que ça ne nous échappe pas. C'est juste question de rappel. On est ensemble et on ne va pas reculer. Nous avons échangé sur plusieurs sujets, mais d'abord, nous avons discuté la situation à l'est du pays, qui nous inquiétons beaucoup, ainsi que le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sur le rôle de l'Assemblée dans le renouvellement de l'état de siège et de comment est-ce que nous pouvons tous travailler ensemble pour que l'état de siège ait des résultats positifs pour l'Est du pays. Alors, nous sommes un partenaire de la RDC et nous souhaitons voir ici en RDC un pays stable et en paix. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique. Parce que pour l'instant, d'avoir un conflit dans même une partie du pays, ça évite beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, qui préfèrent d'autres pays. Donc, de vraiment mettre fin aux groupes armés à l'est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. Bien sûr, nous discutons souvent entre nous, les pays internationaux qui sont représentés ici, et nous travaillons souvent ensemble et voir comment
travailler ensemble avec le gouvernement et accompagner cette stratégie pour la paix. Aussi avec d'acteurs importants comme la Banque mondiale et le FMI aussi qui vont contribuer ici en RDC, comment eux ils peuvent aussi compléter notre travail. Bon, c'est toujours intéressant d'échanger avec le président de l'Assemblée et aussi échanger un peu sur la situation politique et comment nous pouvons continuer de travailler ensemble et contribuer à la paix, à la stabilité et prospérité ici en RDC.